Bonjour à tous. C'est une vraie joie d'être avec vous ce matin. Nous continuons euh, notre cycle. Nous avons commencé à la rentrée. Dieu des émotions, émotions de Dieu. Ces dernières semaines, nous avons euh, traversé euh, la colère, la peur, la honte. Et aujourd'hui, c'est la joie. J'ai intitulé mon message Il est où le bonheur il est où Alors, vous pourriez fredonner la chanson de Christophe Mahé, mais je ne vous propose pas un blind test ce matin. C'est une vraie question que je vous adresse. Il est où le bonheur Il est où le bonheur Ouais, j'en entends qui, qui disent qu'il est là. Je le crois fermement, il est là le bonheur. C'est ce que dit David au début du psaume 122. Quelle joie quand on me dit Allons à la maison du Seigneur. La joie, elle est palpable dans l'église. Elle est visible. Amen. Alors, cette joie, pourtant, quand on franchit le seuil du temple, elle n'est pas toujours visible par nos contemporains, par ceux qui nous fréquentent. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens Soyez toujours joyeux. Mais nous avons la réputation d'être austères, en particulier nous, protestants réformés. Bossuet disait de Calvin qu'il avait un caractère triste. J'ai dû relire un article de 40 pages cette semaine sur la joie dans la pensée de Calvin, pour vous convaincre du contraire. La joie irrigue toute l'œuvre du réformateur. Elle est là, elle est au centre de toute son œuvre. Alors on prête à Nietzsche le propos suivant. Si les chrétiens avaient des gueules de ressuscité, je croirais. Vous savez faire des gueules de ressuscité, vous Je ne pense pas que ce soit un sourire euh, béat, un sourire euh, résigné qui fait fi de la réalité et des circonstances. Mais l'assurance que nous avons tout pleinement en Christ. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est une joie qui nous dépasse. C'est une joie qui vient d'en haut. Alors, oui, je pense que la joie devrait être la principale caractéristique du chrétien. On dit, tiens, celui-là, il est chrétien parce qu'il est joyeux. Je croise que quelqu'un de joyeux. Ouais, il doit appartenir à Christ. Alors, en tant que chrétien, on n'a pas le monopole de la joie. Il y en a d'autres qui connaissent ce sentiment de plénitude qui peut arriver comme ça, à l'improviste, nous envahir dans des situations heureuses de la vie, un mariage, un enfant, un succès, une réussite, la joie d'être ensemble. Il y a plein de, de raisons d'être joyeux. Mais la joie que nous propose Christ, c'est une joie d'une intensité inégalable, et c'est une joie qui s'inscrit dans la durée. Et cela parce que la joie du chrétien est d'une autre nature. On va le voir ensemble ce matin. Je me demande quand même pourquoi, aujourd'hui, nous ne sommes plus, en tant que chrétiens, identifiés comme des joyeux. Peut-être qu'on a trop mis l'emphase sur le péché plutôt que sur le pardon et la grâce. Peut-être qu'on a contre-témoigné à travers nos divisions, les guerres de religion ou nos contre-témoignages du quotidien. On vient souvent chercher du réconfort dans les églises, de la fraternité parfois, mais de la joie rarement. Pourtant, c'est le cœur de l'église. Alors, le bonheur, c'est comme s'il avait déménagé. Il est où le bonheur Il est où On le cherche partout. C'est comme s'il avait déménagé en Asie, quelque part entre l'Inde et la Chine. Vous savez, il y a un petit pays qui s'appelle le Bhoutan qui a introduit la notion de bonheur national brut. Ils en avaient marre d'entendre de, parler d'indicateurs de, économiques, de paramètres économétriques, et ils se sont dit, tiens, on va mettre le bonheur au centre de notre projet de vie. Et euh, cette notion de bonheur national brut, elle est inscrite dans la Constitution depuis 2008. Je ne sais pas si c'est le pays où on est le plus heureux sur Terre, mais le bonheur a toute sa place. Le bonheur, il est où Toujours entre l'un des... Et la Chine, certains pensent qu'il est entre le bouddhisme et l'hindouisme. Il y a plein de personnes qui se mettent en quête de Mudita. Je vous dis quelque chose, Mudita C'est la joie en sanskrit. Cette joie euh, empathique, bienveillante, altruiste, qu'on va chercher à cultiver à travers la méditation, le yoga. Il y a de plus en plus de, de camarades qui partent. Euh, dans un ashram ou euh, qui se mettent tout simplement euh, à la méditation à côté de chez eux. Sans partir si loin, le bonheur il serait quelque part entre le cabinet du psy ou du coach et puis tous les magazines de psychologie positive basés sur euh, l'auto-persuasion. C'est assez tautologique parce qu'on nous dit euh, sois heureux pour être heureux. Et puis d'autres qui se demandent, et si le bonheur, il était en moi Et si le bonheur, il était situé quelque part dans le cerveau Vous vous souvenez que Sylvia nous parlait des neuroscientifiques qui essayaient de cartographier un peu les émotions dans notre cerveau et puis dans l'ensemble de notre corps. Et puis les neuroscientifiques, alors la joie, ça leur donne quand même du fil à retendre. C'est l'émotion la plus mystérieuse pour eux. Ils ont identifié une zone du bonheur. Vous saviez que vous aviez une zone du bonheur dans le, dans le cerveau Le précunéus, là, un peu à l'arrière. Ils se sont dit tiens, si on arrivait à stimuler cette zone, on serait peut-être tous enfin heureux. Le problème, c'est qu'on sait vaguement qu'il y, y a une zone, mais on ne sait pas trop comment elle interagit avec euh, les autres parties du cerveau, et euh, on ne sait pas trop comment, euh, comment elle fonctionne encore. Donc la joie par euh, électrostimulation, on n'y est pas encore. Il y a les anxiolytiques qui sont là pour euh, traverser des moments d'anxiété, mais euh, ça ne rend pas heureux les anxiolytiques, sinon ça se saurait. Le bonheur, il est où Je voudrais ce matin que nous replacions la joie au centre de nos vies et au centre de notre Église, parce que Jésus l'a placé au centre de sa prédication, au centre de son annonce du royaume. La joie, je pense que c'est l'émotion la plus profondément ancré en Jésus. J'aurais envie de vous proposer un verset apocryphe ce matin, l'évangile selon Jonathan, Jésus sourit. Vous connaissez tous le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Il n'y a pas Jésus sourit, mais j'aurais bien envie qu'il soit là dans la Bible. C'est une question que se sont posées les pères de l'Église. Jésus a-t-il manifesté sa joie ils ont plutôt conclu le contraire. Et donc on a eu une iconographie derrière où Jésus était euh, impassible, manifestait pas d'émotion. Ce que j'aime pour ceux qui ont euh, regardé la série The Chosen, c'est qu'on voit euh, un Jésus rayonnant de joie, qui se met à sourire quand les enfants viennent à sa rencontre, qui fait la fête au moment des, des noces de Cana. Et euh, il a tout le temps ce sourire, Jésus sourit. Ça ressemble davantage à la représentation que je me fais de l'incarnation de Jésus, un Jésus souriant. Dans la bouche de Jésus, la joie allait évoquer à des moments cruciaux de son ministère. Je voudrais qu'on prenne quelques exemples dans les évangiles. Le mot joie n'apparaît pas, euh, ce n'est pas le mot qui apparaît le plus souvent dans l'évangile, mais je pense qu'il est au centre. Dans Matthieu, les premières paroles qu'il prononce, ce sont les béatitudes, huit promesses de bonheur. Heureux ce qui, heureux ce qui. Dans Luc, c'est au centre de l'évangile. Jésus parle de la joie dans le ciel quand un seul pécheur commence une nouvelle vie. Et puis dans Jean, à la fin de l'évangile de Jean, dans les derniers chapitres, dans les dernières paroles du Christ avant qu'il ne soit arrêté, Jésus promet une joie parfaite. Je vous propose qu'on lise ensemble. Dans Luc au chapitre 10, les versets 17 à 24. Un texte qui parle beaucoup de joie. Lisez-le avec ce prisme-là en tête. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui Père, dans ta bienveillance tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toute chose. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Amen. On voit la joie des disciples, on voit la, la joie de Jésus, deux niveaux de joie différents. Jésus vient à notre rencontre, il se réjouit avec nous, et en même temps, il veut emmener les disciples un peu plus loin, leur proposer une joie plus grande, une joie plus parfaite. Alors, qu'est-ce qui fait la, la joie de ces disciples Les 70 ou les 72, ça dépend des versions. Ces disciples comme les douze, ils ont fait une rencontre avec Jésus. Ils ont fait une rencontre et ils ont envie de partager avec d'autres ce qui donne du sens à leur vie, à leur existence. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, surtout les jeunes, et qui me disent, c'est quoi le plan de Dieu pour moi Qu'est-ce que je dois faire Là, c'est satisfaisant. Il y a Jésus qui leur donne un mandat et qui leur dit comment faire. Dans le début de, du chapitre... De ce chapitre 10 de l'évangile de Luc, il leur dit guérissez les malades et annoncez la proximité du royaume de Dieu. Ils ont un mandat clair et il leur dit comment faire. Allez-y deux par deux, prenez le strict nécessaire, donnez la paix, restez là où vous êtes accueillis. Alors, oui, c'est grisant de savoir quoi faire. C'est grisant de recevoir une instruction divine. On se sent utile. On menait une vie ordinaire et on mène une vie d'un coup extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Jésus les prévient. Vous serez des agneaux parmi les loups. Votre message est subversif. Vous essuirez des refus. Mais au retour, quand ils reviennent, ben ils n'en reviennent pas de ce qui s'est passé. Ils sont émerveillés par ce qu'ils ont accompli au nom de Jésus est-ce que vous n'avez jamais été émerveillé par la puissance de votre prière Au début on commence timidement on n'ose pas trop demander pas trop de grandes choses et puis on voit Dieu se révéler et la fois d'après on s'affermit on demande des choses plus grandes on sait que Dieu répond est-ce que vous avez jamais été émerveillé par la puissance que vous aviez, par l'autorité en Jésus dans vos vies, pour chasser les ténèbres. Ouais. Ici, on a ce zèle, cet enthousiasme des 72. C'est l'euphorie des débuts. Je prie pour qu'on ait toujours ce zèle, cet enthousiasme. Et Jésus il les voit revenir là. Il valide cette joie. Et il lui donne tout son sens à travers la vision qu'il a eue. Satan tombé du ciel comme un éclair. Mon professeur de Nouveau Testament disait que c'était le verset clé de l'Évangile, qui permettait de, de donner sens à tout le message du Christ. Satan est défait à la croix. Il a autorité sur toutes les puissances, sur toutes les dominations. Alors il y a différentes joies. Il y a la joie du service, la joie missionnaire, qui fait la joie de Jésus aussi. Nous faisions euh, le week-end dernier une relecture de ce que le Seigneur avait euh, accompli ces, derniers, ces dernières années dans la communauté de Saint-Germain avec les responsables de l'entraide. On a fait la même chose en conseil presbytéral cette semaine. J'avais posé cette question pour commencer quel a été le plan du seigneur pour saint-germain ces trois quatre dernières années qu'est ce qu'il a voulu pour nous comment il nous a emmenés et jusqu'à quel point il voulait nous emmener il y a plein de choses qui sont sorties plein de choses qui ont émergé des projets des initiatives la redynamisation de, de dreux les parcours alpha le déploiement du ministère libéré la revitalisation de l'entraide, notamment à travers Hiver solidaire et l'accueil de nos amis ukrainiens. On a fait le décompte, on était à peu près 70 impliqués dans les différents ministères. Et on a rendu gloire à Dieu pour euh, la façon dont la communauté s'était laissée guider par l'esprit, combien elle avait été prête à accueillir l'inattendu, combien elle s'était saisie des opportunités qui s'étaient euh, pr présentées à elle. Et c'est important de se saisir de ces cadeaux de Dieu. Parce que l'ennemi, il est là pour minimiser nos victoires et maximiser nos échecs. On doit vraiment s'emparer de ce que le Seigneur a fait, a accompli dans cette Église. Il y a quand même deux écueils qui sont pointés ici dans le texte. C'est l'orgueil et la performance. On le voit chez les 72, il y a cette joie missionnaire, cet élan. Mais il y a d'autres joies qui peuvent se greffer à cette joie missionnaire. La joie du faire, la joie du mérite, la joie du rendement. Et je voudrais qu'on les explore un peu ensemble. Les 72 reviennent et disent Les démons nous obéissent. Les démons nous obéissent. Alors ils disent En ton nom, en ton nom, Jésus, mais les démons nous obéissent. Il faut bien qu'on qu garde le. La fin de la phrase, en ton nom, on ne peut rien accomplir sans lui. Ils n'obéissent qu'à Christ et ils sont revêtus de son autorité. Je me préparais cette semaine, euh, aux côtés de Jean-Fred, à être aumônier des JO. On sera sur euh, le village olympique, le village des athlètes. Et pour se préparer, on a eu euh, des témoignages de champions olympiques, de champions olympiques chrétiens. Ils nous ont raconté comment ils se préparaient pendant ces quatre années, tout ce que ça signifiait en termes d'efforts, de sacrifices pour essayer de décrocher une médaille. Et euh, on avait un champion de handball qui avait été euh, médaillé d'or aux Jeux olympiques, médaillé d'or aux Championnats d'Europe, aux Championnats du monde. Et il nous disait, tu peux gagner toutes les médailles, mais ne te laisse jamais gagner par elles. Je pense qu'on peut s'approprier cette phrase en Église. Tu peux remporter toutes les victoires, tu peux gagner toutes les médailles, mais ne te laisse pas gagner par elles. C'est Christ qui est victorieux, c'est Christ qui gagne les médailles. Ne nous, nous considérons pas supérieurs aux autres. On a eu le souffle qui a soufflé avec force dans cette Église, l'Esprit Saint qui s'est révélé, une dynamique de croissance. Mais c'est Christ qui a agi. Il a agi à travers nous. Nous avons été ses serviteurs et ses servantes, mais c'est lui qui a agi. Reconnaissons nos faiblesses et nos fragilités de peur de tomber. Ça sert aussi à cela la relecture. Reconnaître ce qui a été bon et reconnaître notre part d'humanité. Comment on peut encore se sanctifier, comment on peut encore se mettre à genoux pour être dans le projet du Seigneur. Il y a aussi la joie du rendement. On est habitué à cela parce que c'est comme ça que fonctionne le monde, c'est comme ça que fonctionne la société. La performance dans l'entreprise, dans l'administration, on dispose d'indicateurs pour la quantifier. Jésus nous dit non, tu n'es pas dans une logique de performance. Ce n'est pas le nombre de personnes qui viennent à l'église. Ce n'est pas le succès des réunions que tu organises, des retraites que tu organises. Nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors pour revenir à mes champions olympiques, c'est pas évident. Toute une carrière comme ça, et souvent depuis le plus jeune âge, souvent depuis l'âge de 5-6 ans, ils se sont entraînés, toute leur vie était émue par ça, une discipline de fer. Les parents qui les conduisaient euh, partout euh, en France et en Navarre, et même à l'étranger. Une carrière plus ou moins brillante en fonction des médailles qu'on arrive à décrocher, et puis arrive la fin du parcours. Et là, toute une vie, pendant 25 ans, pendant 30 ans, 40 ans pour certains, et du jour au lendemain, il faut se reconvertir. Mais moi, je ne sais faire que de la gymnastique rythmique, je ne sais que courir, je ne sais faire que du basket. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant C'est très dur pour ces champions d'anticiper. Alors il n'y a pas besoin d'être champion olympique. On a tous euh, des projets. Des enfants qui grandissent, qui quittent le foyer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Un projet dans l'entreprise qu'on conduit à terme et après, qu'est-ce qui se passe Quand on passe euh, à la retraite, il bah, faut se trouver euh, d'autres raisons d'être. En Église, c'est pareil. On est porté par une dynamique missionnaire. On est porté par des projets mais si la joie de la performance s'est greffée à la joie missionnaire on peut traverser un passage à vide on peut traverser une nuit spirituelle quand une nouvelle dynamique se met en place c'est à ce moment-là qu'on doit s'interroger avec lucidité quelle était la joie missionnaire et quelle était la joie du faire quelle était la joie de la performance. Jésus nous donne l'antidote à cela, à ces fausses joies. Il nous dit dans le texte qu'on a lu, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus veut nous emmener plus loin. Il nous veut à son service, mais il veut que nous soyons avec Dieu avant de faire pour lui. Être avec Dieu plutôt que faire pour Dieu. Quand Jésus parle de joie parfaite, c'est toujours lié à la communion qu'il a avec le Père. Dans Jean 15, il dit qu'il a obéi au commandement du Père et c'est pour cela qu'il demeure dans son amour. Il envoie euh, les disciples et il dit ⁇ Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. ⁇ Jésus dit cela. Euh, avant d'aller à la croix, c'est le moment le plus triste et le plus difficile de sa vie, et c'est là qu'il proclame une joie parfaite. Pareil en Jean 17. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi. C'est Jésus qui s'adresse à son Père. Toi qui es uni à moi, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa perte, afin que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je viens à toi. Et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. La joie, c'est ce sentiment de plénitude qui nous envahit, qui répond à nos besoins les plus profonds. La joie d'être reconnue dans notre identité de fils et de fille du Père. Notre joie d'appartenir au royaume. Et puis, une joie euh, immense d'être en communion, d'être en présence du Père. On arrive là au cœur du message de ce matin. Je l'avais déjà dit dans une des prédications à la rentrée, dans certains milieux d'église, on va nous dire qu'il faut avoir ce sourire béat, être toujours content. Ce n'est pas ce que nous propose le Seigneur. Il y a des moments pour pleurer, il y a des moments pour être en colère, parfois pour des raisons légitimes. Quand on voit la situation au Proche-Orient, quand on voit la menace d'attentat en France, on est dans la colère, parfois dans la peur, dans la tristesse de voir ce qui s'est passé. Mais Dieu nous propose une joie qui peut cohabiter avec ces émotions. On a vu que les émotions pouvaient nous révéler quelque chose que le Seigneur voulait sanctifier, assainir. Mais il y a parfois des joies qui côtoie des tristesses profondes, des joies qui côtoient une colère légitime. Je voudrais vous témoigner euh, d'un moment fort, particulièrement fort, que j'ai vécu euh, quelques jours avant le, le décès de ma maman. Les médecins nous avaient prévenus qu'elle n'en avait plus que pour quelques jours, quelques heures. Je ne pas. Et euh, ma mère, c'était une femme qui aimait euh, louer qui aimait même danser pour, euh, pour le Seigneur. Et voilà, elle était à moitié dans le coma, et j'ai appelé mes amis du groupe de jeunes, euh, on était 20-25, j'ai dit, venez avec les instruments, on va louer et euh, on va passer un beau moment avec elle. Et on était là tous réunis. Il y avait une profonde tristesse parce qu'on savait qu'elle allait partir, il fallait euh, accepter son départ, avec mon père, avec euh, ma sœur, avec... Euh, Lara, avec les amis qui étaient là, la famille, et en même temps, une joie profonde. On chantait, on remerciait le Seigneur pour la vie qu'il lui avait accordée et pour sa présence parmi nous. Je n'ai jamais senti une telle communion qu'à ce moment-là. On avait l'impression d'être avec les anges, d'être en présence du Père, et les larmes coulaient, on ne savait pas si c'était des larmes de joie ou des larmes de tristesse, en même temps. Ce que le Seigneur nous propose, c'est cette joie-là. Cette joie de la communion en toutes circonstances. On ne fait pas fi de la réalité, la réalité, elle est là. Elle est parfois triste, elle est parfois dure, elle est parfois compliquée. Mais on a la communion avec le Père. Timothy Keller a écrit Vous ne savez pas vraiment que Jésus est tout ce dont vous avez besoin, jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que vous avez. Ah, il n'y avait plus que Jésus. On avait l'assurance de la retrouver au ciel. On savait qu'elle appartenait à Christ. Mais on était dans cette communion. Vivre dans la dépendance de l'amour du Père, voilà ce qui est révélé au tout petit. C'est ce que Jésus disait dans ce texte. Je me réjouis que ce soit révélé au tout petit. C'est cette dépendance au Père. Et c'est ce qui fait la joie du Fils. Alors je voudrais finir avec cela. C'est cette joie plus grande. On voit dans, le, dans ce passage, à ce moment même, hein, Jésus fut rempli de joie. Il exulta de joie par l'Esprit Saint. C'est une joie imprévue, inespérée, extraordinaire. C'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est une manifestation du fruit de l'Esprit. Le signe de sa présence dans notre esprit et dans notre âme. Alors la joie, nous dit le développement personnel, c'est un choix, dans une certaine mesure. La joie, ça se cultive, nous disent des spiritualités orientales, dans une certaine mesure aussi. Mais la joie divine, la joie que nous propose le Seigneur, c'est d'une toute autre ampleur. En grec, le mot joie, c'est kara », Et le mot grâce, c'est caris. La joie, c'est cadeau. La joie, c'est un don de Dieu qui nous tombe dessus si on, on lui réclame. C'est l'esprit saint qui vient manifester cette joie. Je voudrais conclure avec un passage d'Ésaïe qui se trouve au chapitre 49, les versets 15 à 16. C'est Dieu qui parle à Jérusalem. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait Moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Alors oui, souriez les amis, ayez des gueules de ressuscité, faites mentir Nietzsche, parce que vous êtes aimés et sauvés. Amen.